Là c'est la fin, vas-y Tounsou, c'est la fin. Désolé les gars. T'inquiète. Eh oui. Leave this place behind, no matter what they say. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, la même compagnie. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Pour ma part, ça va bien pour le moment, mais j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur, puisqu'aujourd'hui, c'est le jour J, c'est le D-Day, c'est l'épisode final. Alors, non, pas de m'adventure, bien sûr, mais l'épisode final du jeu Minecraft en lui-même, en fait, puisque aujourd'hui, on va affronter l'Ender Dragon. On va l'affronter, on va le détruire, on va le casser en deux, les gars. On va le casser en deux. Eh, en plus, vous êtes des boss. Merci pour vos commentaires sur le dernier épisode. J'avais complètement zappé. Messieurs, dames, j'ai un bouquin Power 4. Alors, Efficiency 4, Quick Charge, Multishot. Je vais perdre ces gens qui chantent, mais c'est pas grave. Il y a Power 4. Moi, mon Power 4 juste ici, ça fait 8 niveaux tout pile ce que j'ai. Et on a un Power 5. Infinité, Flame. Je pense qu'on peut le dire. Voilà, on est plutôt pas mal. Et j'ai failli passer à côté, les amis. Donc, merci à vous. Vous êtes absolument des boss. Alors, j'aurais pas besoin de la hache, je pense, dans l'end. Donc ça, c'est parfait. J'aurais besoin de beaucoup de nourriture. Les torches, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Je vais avoir besoin de beaucoup de seaux d'eau pour être safe. Et encore, c'est pas sûr. En fait, ce qu'il nous faudrait avant de partir, c'est plein d'enderperles. Et j'en ai que deux. Ah, ça va être compliqué. Il nous faudrait des enderperles dans le cas où on se fait kicker en l'air. Ça va nous permettre de nous sécuriser. Il va nous falloir également des blocs, hein, bien sûr, avant qu'on parte. Il va nous falloir des blocs. Les blocs de cobble sont ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? De plein de pommes en or. Oh là là, j'ai failli passer à côté. Alors, j'ai 5 golden apples ici. J'ai une cheatée. Je vais pas la prendre. Je vais... Attendez, est-ce que ça me fait combien de lingots là? Ça me fait que 4 lingots, ouais. Ouais, j'aurais jamais dû faire des trocs avec le cochon. Bon, c'est pas... Et 5 golden apples, en vrai, ça devrait suffire. Hein. Normalement, golden apples, c'est quand t'es dans le mal. Hein. En vrai, on va faire à distance avec notre arc. Hein. Donc, ça c'est déjà pas mal. Bah ouais, écoutez. En vrai. Alors les enderpearls sur le chemin, si on pouvait en avoir, ce serait toujours mieux. La nourriture, ça devrait aller. Les torches, j'ai pas besoin de plus. Là, on va affronter l'Ender Dragon, les mecs. On va affronter l'Ender Dragon. On n'est pas là pour siroter, je sais pas quoi. Donc, peut-être un Totem of Undying. Mais je pense que je vais avoir du mal à m'en servir. Un bouclier, peut-être. Tout neuf. Est-ce que j'ai un bouclier tout neuf? Ah. Tout à fait, ouais. On va peut-être échanger avec le bouclier tout neuf. Ça fera pas de mal. Et puis, Et puis voilà, je pense que... Est-ce que ça fait plus de dégâts, la Spectral Arrow? C'est une vraie question, ça. Bon. En vrai, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, les amis. On va partir. Oh, mon Dieu. On va remplir ces seaux d'eau. On va partir. Direction l'Ender Dragon. J'ai peur, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. C'est absolument horrible. Non, alors oui, je sais ce que j'ai oublié. On va y aller de ce pas, les amis. Ça va être épique, hein, cet épisode. Vraiment, ça va être épique. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Oh non, en plus, il y a des pillagers qui arrivent. Moi, je me casse. Hein. Rien à péter. Ah non, c'est bon, c'est un marchand. Je vais juste, voilà, prendre ça. Le temps de naviguer dans le Nether. Je vais reprendre ces lingots d'or, finalement. Puisque sur le chemin, on va avoir de l'or, quand même. L'épée, je la garde. Ma pioche cheatée, tiens. Je vais quand même la prendre, ma pioche cheatée. De toute façon, c'est l'aboutissement de toute une vie, hein. L'Ender Dragon. Non? Ah, peut-être pas. Je vais peut-être garder la pioche en fer, finalement. On n'est jamais trop prudent. Ok. Là, j'ai encore du seau d'eau, finalement. Donc, tu sais quoi, j'en remplis encore un dernier. J'ai l'or sur moi. Est-ce que j'ai des pommes? C'est ça, la vraie question. Ah si si, j'ai des pommes, eh, frère, arrête, regarde. Oh mais j'ai encore des golden apples, ah, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah c'est bon, on peut y aller. Et puis sur le chemin on pourra peut-être récupérer un petit peu d'or. Allez, bon rien n'est sûr, mais en tout cas, voilà, là au moins on est bon. Les ender pearls sur le chemin, il faudra en prendre aussi, c'est important. Parce que deux ender pearls c'est clairement pas suffisant, mais vous inquiétez pas, dans l'ender, les ender pearls. Oh bah c'est pas ce qui manque, hein. C'est pas ce qui manque. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez kiffer cet épisode. J'espère que tout va bien se passer. Vraiment. Y'a pas de raison, non? Y'a pas de raison.
Je sais pas. En plus, durabilité, ouais si j'ai 300. J'ai au moins 300 essais. J'ai au moins 300 essais. Y a pas de raison que ça se passe mal. Attendez, je vais descendre voir s'il y a des trocs à récupérer ou pas. C'est toujours sympa. Non, j'ai dit que j'allais en... Oh putain, je me suis gâché dessus. C'est pas vrai. Ah, je me suis chié dessus. Oh, y a de l'or là-haut encore. Très bien. Est-ce qu'il y a des trocs intéressants là? Pas de ouf. Pas de ouf. Je vais pas les embêter plus longtemps, on n'est pas là pour ça. Bon, écoutez, là je m'étais fait une passerelle d'ailleurs, les amis. Hop. Voilà. Allez, on va. On va les laisser tranquilles. On va aller se rendre dans l'end. Et donc c'est cool, hein, parce que du coup, dans le dernier épisode, vu qu'on a miné d'XP, bah, ça nous a permis, vous voyez, d'avoir un petit chemin sympa. Alors attendez, est-ce que j'ai envie de récupérer l'or en même temps sur le chemin, parce que je vais être assez tranquille là. En vrai de vrai. Il va rien dire lui. Il va juste balancer à ses parents, mais c'est pas grave. Voilà, on récupère un petit peu, comme ça on est tranquille. Voilà, là déjà. Normalement j'ai de quoi me faire un petit lingot d'or. Ah et ben c'est pas non plus suffisant, mais. Allez dégage. Hop, on passe par ici. Voilà, superbe. Et voilà, j'ai un petit peu allergie. Non, allergie, c'est pas bien. J'ai un petit peu élargi. ce tunnel. Je me chie dessus, est-ce que c'est bon? Oh là là. Donc là, on arrive tout droit dans le Stronghold. Hein. Ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon. Oui, alors saut d'eau, Ender Pearl. Attends, mais là t'es en train de me dire qu'on y est direct là. Là je vais rentrer, je vais sauter quoi. Je vais sauter, on va y aller, y'a pas de retour arrière possible en fait. Y'a pas de retour arrière possible en fait. Bon les amis. Les amis. Ok. Putain, j'ai peur. Attends, je bouge. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça là. Faites gaffe à pas tomber, attention. Allez, on est parti les amis. c'est parti. Oh purée. Déjà. Oh purée, déjà on est safe. Enfin je pense. On est dans un endroit safe et ça c'est pas mal. J'espère vraiment que l'end n'est pas horrible. Vraiment hein. J'espère vraiment que l'end est bien parce que vous savez des fois il y a des îles où il y a tellement d'Enderman. Ou alors il y a tellement de tours compliquées et tout. Là si ça se trouve il y aura genre pas beaucoup de tours et tout. Enfin je sais pas, on va voir, j'espère. Oh mon dieu. Je suis en bord de map, ok, ça commence. Ça commence, allez on se remet dans le bain. Ok dommage. Oh purée. Ok, donc là le but du jeu, ça va être de casser toutes les tours. Est-ce que tu penses magnifique ça. Est-ce que tu penses que c'est jouable ça? Ce serait magnifique. Parce que... Moi il y a des rumeurs qui me disaient... Ah ok. On n'est pas obligé de monter. Ok, alors j'ai cassé celle-là et celle-là. Faut toujours rester mobile. Parce que là il me tire dessus depuis tout à l'heure. Donc là faut casser ça parce que ça régène l'Ender Dragon. Voilà, je me chie dessus. Oh putain, et si j'utilise toutes mes flèches pour ça, je suis mal barré. Hein. Allez. Plus haut. Ok. Oh putain. Ok, je l'ai eu. Encore un en cage. Il y en a encore un en cage. Ça va, il est pas compliqué cette end. Et ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Allez. Oh là là, c'est magnifique. Eh les gars, tous ceux qui me disaient qu'il fallait grimper. Oh. Ok, je l'ai eu. Plus que... Il y en a plus que 3 les gars. Il y en a plus que 3. Dont lui. Ok. Je me suis tué mais tout va bien. Ok, le dernier. Le dernier. Oh purée, c'est le dernier messieurs dames. C'est le moment où il faut pas se laisser abattre. C'est le moment où il faut y croire. Ok. Plus haut. Je l'ai eu, c'est bon. Il est finito.
Oh purée, oh je vais te ken la race avec mon power 5 mec. T'es même pas prêt. Oh là là, ce que je lui mets, ce que je lui mets. Oh. Ok, les Enderman ils sont pas contre moi. Non par contre, faire gaffe aux flèches quand même. Enfin c'est pas aux flèches, c'est à l'arc. Faut faire gaffe. Parce que j'ai pas non plus résistance de ouf quoi. Merde. Va au milieu, va au milieu, va au milieu. Va au milieu. Voilà. Oh purée. Ah, alors ça, ça va être embêtant. Ça va être embêtant. Oh là là. Oh putain, oh j'ai eu de la chance. Oh là j'ai eu de la chance. Ah, oh là j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que j'y retourne ou pas? Parce que j'ai que deux enderperles hein. Allez. Oh non. Ok, ok. Ok, je me casse, j'ai compris. Ok, magnifique. Il est à la moitié de sa vie à peu près. Il va revenir à la charge. Là, ici, hop, magnifique. Dommage. Magnifique. Derrière la tour, hop. Dommage. Ok, bon, moitié de sa vie. Viens par là, bonhomme. Viens par là, bonhomme. Tu n'iras pas loin. Pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça passe pas? Je ne sais pas. Ok, je l'ai eu. Dommage. Ça va, en vrai, on est très très bien, les amis. Je suis tellement heureux. Oh là, un petit peu moins. Un petit peu moins, un petit peu moins. Je suis content d'avoir un stuff netherite hein. Je vais être très honnête avec vous, je suis content de me sentir en sécurité hein. Oh la vache, à la gigine. Allez, viens. Oh non, dommage. Viens mon pote. Si tu reviens au milieu, on est pas mal. Il a pas l'air très serein l'Ender Dragon hein. Je lui fais peur hein. Ok. Alors là je fais une mauvaise démonstration là. J'ai pas eu de problème encore avec les Enderman. Je suis heureux parce que moi les Enderman c'est ce qui me fait c'est un des éléments qui me fait quand même un peu peur hein. Et là je la fais. J'ai encore pas mangé d'Ender enfin bref de pommes en or et tout. Allez viens. 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 Viens loulou. Ah viens louloute hein. Allez louloute. Louloute hein. Viens louloute. Oui non. Oh c'est pas vrai. Ok. 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 C'est maintenant. Allez. J'arrive pas à taper. J'arrive pas à le taper. Allez, allez, allez. J'arrive pas à le taper. Oh putain, casse-toi. Oh, je me chie dessus, je me chie dessus. Non, vas-y, tout ça, c'est la fin. Je me chie dessus pour de vrai. Allez, c'est maintenant. Oui, oui. Non. Non. On était si proche. Vas-y. Oh oui. 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 À moi la fortune. Let's go. Oh je suis trop content. 45 niveaux. Oh je suis trop content bordel. Mais vraiment vous... Et là-bas il y a le truc de ok super pour aller dans l'End City etc. Oh je suis tellement content les mecs. Je vous jure c'est pas des blagues. Non parce que vraiment la dernière fois que j'ai dû faire l'Ender Dragon tout seul, c'était à l'époque où il était pas comme ça. C'était encore plus simple et tout. Oh mon dieu. Oh je suis tellement content les gars de l'avoir fait tout seul et de l'avoir réussi. Et vraiment la dernière fois que je l'ai fait de la sorte, c'était en multijoueur sur Madventure à l'épisode 50 les gars.
Sans déconner. Ah si, peut-être sur bah si, sur Madventure 2.0, mais bon, c'était pas ouf. Voilà, ça c'est dit. Balle perdue. Là, alors attends, parce que hop. Ok, on va récupérer l'œuf et on va le mettre dans le musée de Madventure, bien sûr. Oh les gars, on a fait le Ender Dragon. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. J'ai utilisé aucune Golden Apple et aucune Ender Pearl. Bon, après, mon stuff était pas mal. Oh là là, mon dieu. Oh, je suis content. On va pouvoir aller dans l'End City et récupérer des Elytra et tout et tout. Alors déjà, dans un premier temps, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on mette en sécurité l'Ender Dragon, etc. Enfin, l'œuf de dragon. Mais non, mais je suis con, mais attends, mais... il faut que je rentre à ma maison. Et ma maison, il faut aller là. Oh, les amis, je suis trop content. J'espère que vous aussi, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de voir vos likes et vos pouces bleus. Le générique de fin, bien sûr, emblématique. Alors, on va pas se le faire en entier, mais juste qu'on voit le logo quand même de Minecraft, hein, parce que ça reste quand même emblématique. C'est le générique de fin, c'est comme ça que Minecraft se termine en réalité. Enfin, en tout cas, à l'ancienne, quoi. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Et pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs de voir l'end credit, parce que c'est assez sympa à lire, bah, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Oh, par contre, je me suis chié dessus là. Je croyais qu'il y avait un bug. Let's go. Let's fucking go. C'est trop bon. C'est trop bon. Salut les copains. Bon, bah, les mecs. Oui, non, attendez, parce que le musée il est pas fait encore. On fera le musée vraiment de Madventure. Donc, pour le moment, je vais le mettre en sécurité dans des coffres. Oh, purée, c'est bon ça. Oh, purée, c'est bon. C'est très très bon. Et on va mettre ça. Eh bah, dans le coffre là, du coup, regardez, hop, magnifique, let's go, c'est beau ça, hop, et hop. Ouais, enfin non, je vais peut-être garder ça parce que dans l'End City, on en aura probablement besoin. Voilà, ça c'est chouette. Je garde ça sur moi quand même. Tac, tac, voilà, parce que là, on va retourner dans l'End City, les amis. Oh là là, c'est trop bon ça, c'est trop trop bon. J'ai même pas rempli de troisième saut d'ailleurs. J'y suis quand même allé un peu à la win again. 4 Ender Pearl, oh ça fait plaisir, je suis trop refait. Trop refait, vraiment les mecs, je suis trop content. Bref les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, très important. Et nous, on y retourne. On y retourne. J'ai cru que j'avais oublié, j'ai oublié une pièce en or, c'est pas grave. Eh, j'ai affronté l'Ender Dragon. Donc là maintenant j'ai plus peur des piglins, hein. Bon, ils m'ont clairement tous chargé, hein. Ils m'ont clairement tous chargé, je me suis chié dessus, mais tout va bien. Allez, on retourne dans l'End. Alors, ce qui va être assez amusant maintenant, c'est que tout peut basculer, parce que je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas, là on va se téléporter dans des contrées spécifiques, qui s'appellent l'End City, d'accord, donc en fait, là c'est qu'une seule île, mais là on va se téléporter carrément dans une dimension parallèle, dans cette même dimension, et pour ça il faut jeter une Ender Pearl là-dedans, là, dans ce trou là. Le problème c'est qu'à tout moment... Et eh ben je meurs et je perds absolument tout mon stuff. Pour la simple et bonne raison qu'il peut y avoir des bugs. Ou alors que je peux envoyer mal l'Ender Pearl. Bref, en fait plein d'aléas de la vie qui font que malgré tout ce que j'ai fait, je perds de tout. Bon, déjà ce qui est bien, c'est qu'on a fait l'Ender Dragon. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau parce que l'Ender Dragon, c'est emblématique. Mais si je pourrais ne pas perdre tout ce que j'ai, ce serait génial. Vous voyez? Donc là je me fais un accès, d'accord? Et donc là l'idée va être de jeter une Ender Pearl là-dedans. Est-ce que ça pue la merde l'idée? Totalement. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais me foirer? C'est ça la vraie question, est-ce que je vais me foirer? Je pense que c'est encore plus stressant que l'Ender Dragon. Allez, on essaye. C'est bon. Oh purée, c'est pas bon du tout là. Non mais frère. Alors ça... On a déjà l'End City, mais tu rigoles? Alors, non, franchement, les gars, non, c'est un truc de malade. Je vous explique ça. Bon, quand on est en multijoueur, c'est pire. Hein, parce que là-dedans, il y a des élytras. Dans ce bateau même, il y a des élytras. Donc, en multijoueur, tout le monde se bagarre. Il faut faire des millions de kilomètres, hein, vraiment. Hein, il faut faire des millions de kilomètres pour trouver ces trucs-là. Et là, j'en ai un tout de suite dès mon spawn. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mes acolytes vont être jaloux. J'ai bien fait de pas avoir ouvert ma aventure en public encore, hein. On est bien en solo, hein. Là au moins je peux prendre mes élytras tranquille. Je peux même en prendre plusieurs. Comme ça je pourrais les vendre. Je me fais un petit commerce comme tu sais. Et après j'ouvrirai Madventure à mes acolytes sur le serveur. Et là ils seront dans la merde et devront me payer cher. Alors on va éviter de tomber dans le vide, hein. Hop. Ah, j'aurais dû prendre des fusées sur moi directement, mais c'est pas grave. Bon, ça ce sera pour le retour, les amis. Tac tac tac. J'angoisse absolument, hein. Je suis en pleine angoisse d'être au dessus du vide comme ça, mais bon.
Là c'est bien, on n'a pas besoin d'aller trop loin, c'est juste à côté. Allez, let's go. Let's go. Alors, petite astuce également, comme on peut avoir des effets de lévitation, donc s'envoler, et ça peut être très dangereux. Moi je sais qu'apparemment quand tu casses ça, et ben si tu manges le chorus fruit, et je parle pas de l'application hein, que je vais mettre à la place peut-être du seau d'eau, je sais pas, de la pomme en or. Non, à la place du totem of undying. Voilà, si je mange ça, c'est ultra dangereux, ça me téléporte, oh mon dieu. Mais ça me permet justement de se téléporter au sol. Et du coup, si jamais je suis en plein dans le ciel, si je panique, je peux manger ça et ça me re-téléporte au sol et je prends pas de dégâts. Donc, on va en prendre. Alors, pour ceux qui ont la rêve de Madventure, j'avais fait une forêt de chorus flower. Donc, vous voyez le cratère qu'on a là, sur cette saison de Madventure. Là-dedans, je mets plein d'arbres. Bah, imaginez-vous que je mets plein d'arbres comme ça de chorus flower. Ouais, non, non, ça c'est dégueulasse. C'est à partir de là que je m'étais lassé de Madventure saison 1 d'ailleurs. C'est à partir du moment où j'ai fait n'importe quoi. Donc, on va pas faire n'importe quoi. Et on va directement rentrer. Bah, en fait, on pourrait directement aller dans ce bateau-là. J'ai pas assez de blocs pour ça. 26 blocs là, ça suffit ou pas, tu penses? Je ne sais pas. Vas-y, j'y vais, je tente. Est-ce que je... Au pire, c'est pas grave là, je risque rien. Enfin, je vais juste avoir un comité d'accueil là-haut, mais. Comme ça, j'ai tout de suite les Elytra et je suis tranquille. Parce que qui dit Elytra dit que je peux planer. Donc, au moins, je peux voler quoi. Ah, j'aurais vraiment pas assez. C'est dommage, hein. J'aurais miné quelques blocs et j'aurais été tranquille. Ah, c'est vraiment dommage. Il m'aura fallu pas grand chose. Donc là, si je mange une chorus flower, il se passe quoi? J'ai trop peur d'essayer. J'ai trop peur de risquer. Je préfère le faire si je suis dans la sauce. Mais autant y aller safe. Si déjà on peut être safe. Voilà, allez hop, on descend. Oh là, oh. Allez, bon écoutez, c'est pas grave, on va déjà faire ça. Ce sera déjà pas mal hein. Ça rajoute toujours un petit peu de piment d'Espelette. C'est important, c'est important. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Ah oui, c'est vrai, ça c'est chouette ça. C'est vrai que c'est chouette. Alors ça, faut faire gaffe. Parce que ça peut te faire voler. Bon, j'ai compris. De toute façon, je suis bien stuff. Alors autant y aller. Eh, franchement, c'est vrai que j'ai un stuff de baiser hein. Autant en profiter, en plus je suis tranquille. Les shulkers en plus, alors les shulkers, ils m'ont rien looté hein. Ça s'appelle des shulkers hein, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui découvrent Minecraft. Et en fait, ces trucs là te permettent après de crafter des coffres spécifiques que tu peux déplacer. Donc un peu comme des sacs à dos. Voilà, j'avais oublié, mais c'est vrai que tout le monde se bat sur les serveurs pour avoir ces choses-là. Donc c'est assez intéressant à avoir, malgré leur danger à affronter. Voilà, là ça me fait voler, mais ça va, je suis safe normalement. Ok, j'ai récupéré une shulker shell. Donc là c'est un peu dangereux, parce que je vole. C'est absolument pénible. Lévitation pendant 10 secondes. C'est très dangereux, hein. Ça me fait flipper. Ok, bon, j'ai qu'une seule shulker shell. On va attendre que la lévitation s'arrête. Laissez-moi tranquille. Et donc avec 4 shulker shell je crois, sachant qu'il loot pas toujours hein, comme vous pouvez constater. Avec 4 shulker shell on peut faire justement un coffre spécial. Superbe, j'en ai 2. Oh la chance que j'ai. Attends, je veux continuer par là. Je vais récupérer les end rods. Ça pour la décoration c'est superbe. On va aller par là. Salut mon ref. Bah alors. Oh putain, il m'a looté encore. Et par contre, j'ai de la chance de ouf hein. Et cet épisode, c'est encore l'épisode de la chance hein. Je suis heureux. Je suis heureux. Allez, on va profiter de l'effet pour monter. 3 secondes de lévitation. Go 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 go. J'adore ces bruits. Hop. On récupère les end rods, j'adore. Ça permet de faire un joli bar. Hop, toi t'es mort. Allez, c'est bon, on peut faire notre coffre. What? Incroyable. Non mais c'est pas possible. Ah, je croyais que j'avais looting sur l'épée, mais j'ai pas looting. Oh, il m'a looté encore. Bon, par contre, ça craint. Voilà, je suis safe. Tant que je suis là, sous ce toit, je suis safe. Le plus important, c'est pas de voler dans l'air. Oh, merde. Voilà. Eh mais j'ai plus de bloc. Oh mon dieu, au secours. Arrête. Ok, c'est bon. Ah, il me faut absolument un bloc pour me bloquer si jamais je vole. Voilà. Eh, foutez-moi la paix là, bordel. Bon, j'ai pas besoin de l'arc. Allez, on va attendre tranquillement. On a quoi là-dedans? Une pelle fortune, efficiency 3, on prend du fer, de l'or et un casque protection en fer. Bon, toujours ça.
J'ai pas Silk Touch, dommage, j'aurais pu récupérer le l'Ender Chest, mais c'est pas bien grave. Alors pareil, on va récupérer un maximum d'End Rod. On va pas encore continuer l'ascension si. Attends, déjà, je récupère ça, ça c'est à moi. Bah si, bah je vais monter, hein. Je vais monter. Y a plein de chemins en fait, c'est fou. C'est gigantesque, enfin, c'est pas si grand que ça, hein. Mais c'est assez imposant quand même. Hop. On va monter en toute sérénité. Y a pas de raison de paniquer parce que tout se passe super bien. Là j'ai un petit doute. Fous-moi la paix. Oh non. Mais bordel, tu vas mourir. Voilà. Et ils arrêtent pas de looter. Ok, donc y'a plus rien là-haut. J'ai 7 Shulker Shell, hein, frère, hein. Eh, je vous jure, je vais faire un commerce quand j'ouvrirai le serveur aux acolytes. Je vais leur vendre mes trucs et je vais être riche sans rien faire. Ça s'appelle de l'investissement. Bon, donc on va continuer les autres chemins. Donc on va redescendre ici. On a fait cette tour du coup. C'est très très bien. On a même fait ça proprement, franchement. Je suis assez content, on a fait cette tour. Par là. Par là, ça va être pour mener au bateau. Donc c'est là-bas qu'on va avoir les élytras, très important. Ça va, il est pas gigantesque, hein. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Voilà. Oula, 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 oula. Oh, dommage, dommage, dommage. Dommage. Est-ce que je peux te toucher? Non. Ah, ça va être très chiant, ça. Ça va être très chiant. Faut que j'attende un peu et que je me protège un max. D'accord, je peux pas me protéger. Bon, c'est pas grave, je vais monter, j'ai compris. Je vais profiter de la lévitation, il veut pas me laisser tranquille ici. Y'en a, j'ai l'impression ils sont plus forts que d'autres, hein, quand même, hein. Wow! Mais c'est pas vrai! C'est quoi cette chance que j'ai pas? J'avais de la chance jusqu'ici, et là ça craint. Ok. Ça tire à balles réelles. Tu meurs. Bon, ok, toi t'es mort. Et y'a rien là-haut en plus. Ok, bon, d'accord, super. Ah si, là ici. Ok, déjà on peut récupérer les end rods, on en récupère un maximum. Voilà, c'est superbe ça, c'est superbe. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. J'adore, j'adore ce qui se passe, les amis. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis heureux. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Bon, alors, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu encore en bas, parce que du coup, monsieur m'en empêchait, mais c'est pas vrai. M'emmerde, lui, hein. Il m'emmerde. Dégage. 2 secondes à tenir. Parfait. Voilà. Arrête de me saouler, toi. Bon, du coup, il y a quoi ici? Mais en fait, il y a rien. C'est bon, on a tout fait, là. Nul. Bah là, il n'y a plus qu'à aller sur le bateau, quoi. Alors, j'ai 2 Ender Pearls. Je peux tenter quelque chose. Je peux tenter quelque chose, mais c'est un peu plus la merde, quoi, comme idée. Ah non, si, ça peut le faire, les gars. Regardez ce qui va se passer. Ça va être magnifique. Regardez bien. Oh, c'est un coup à se niquer, quand même, hein. Oh mon dieu, parce que là, si je tire derrière... Oh, je sais pas vous, mais ça sent pas bon l'histoire là. Allez. Je suis un putain de boss. Je suis un putain de monstre. Allez. Allez. Ça part. Et c'est ici que tout commence. Ok. Messieurs, dames, les élytras. Let's fucking go. Donc les élytras à tout moment. Et puis ce qui est bien du coup, c'est que la nouveauté donc depuis la snapshot, alors je sais plus laquelle, mais donc depuis qu'on a commencé ma aventure, c'est que maintenant on peut les équiper directement comme ça. Avant on pouvait pas, hein. Avant t'étais dans la merde, fallait que tu fasses ça, 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 tu vois. Là maintenant, tu sautes et hop là tu équipes tes élytras. Oh c'est génial, c'est absolument fou. Oh, efficiency 3, unbreaking 3. Ban of Arthropod, nul. Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3. Oh là là, mais c'est la même pioche que j'ai déjà. À la maison, bien sûr. Ok, superbe. Bon, là, on a masse truc. Protection 3, je prends parce que ça, pour les acolytes, ça fait toujours plaisir. Efficiency 3, Fortune 3 pour l'appel. Les betteraves, on s'en fout. Oh, je suis trop content. C'est trop bien, l'end. Instance Heals. On va prendre, c'est toujours sympa. Donc, c'est des potions qui nous régènent la santé directe. Il est où le mec là? Je sais pas.
C'est super sympa. Et il y a une tête d'Ender Dragon à récupérer ici. Hein. Moi, je veux. Oh non. C'est pas grave. On a tout récupéré ici. Je prends mes élytras et je m'en vais. Oh, j'ai cru que je mourrais. Oh, j'ai eu trop peur. Oh, c'est magnifique. Par contre, j'ai cru vraiment que je mourrais là. Et là, je peux remettre mon armure direct. Ok, la tête, elle est là. Oh là là. Incroyable. Cet épisode est incroyable, les amis. Vraiment, hein. Alors, il faut qu'on rentre maintenant. Il faut qu'on s'assure de terminer cet épisode à la maison parce que c'est pas fini. Il faut encore rentrer. Par contre, on va faire la miniature de la vidéo, clairement, les gars. Je vis pour les caméras, hein. Et voilà, on a la miniature. Je suis mort. On remet le FOV. Alors, c'était à 80. J'ai des palpitations au cœur, je suis désolé, je suis pas serein. Je reprends mes élytras. Par contre, niveau Ender Pearl, alors ça c'est très dangereux ça. Il me reste une Ender Pearl, si je la foire, donc là il faut absolument que je me fasse un Ender Dragon, un Enderman, pardon. Voilà, bon normalement je m'attire pas tous les autres. Voilà. Parce que ça peut être très vite dangereux. Ce qui est bien, voilà, c'est qu'on peut fermer les Enderman. Allez, viens là mon ref. Voilà, au moins j'ai 3 Ender Pearls si jamais ça part en steak. Allez, on y croit maintenant, il faut refaire le chemin en sens inverse. Et on espère que rien ne va se passer mal. Je vais préférer prendre des blocs sur moi. Et on va directement prier directement. Mais en vrai, de vrai, il n'y a pas de raison. Ouais, superbe. Superbe. Les amis, je vous kiffe. Voilà, je vous kiffe. J'ai kiffé cet épisode, le meilleur épisode de tous. J'espère que vous l'avez vraiment apprécié. Et je compte sur vous, les gars. Bombardez-moi. Vraiment, hein. Bombardez-moi cette purée de barre de like. Je compte sur vous. Faites péter les commentaires également. Ça aide énormément. Et nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Peut-être prochain live. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. On est à la maison. Stay safe. On a les élytras. Allez, ciao tout le monde. Wouhou! Lady, le carousel. Je me demande un coup d'Ender Pearl. Ouais, moi j'ai fait pareil. Regarde Heidi, là, elle est en train de faire une crise d'épilepsie. Casse-toi, mais vraiment. Ouais. Vraiment, s'il te plaît, vraiment. Non, vraiment. Le mec, il a chaud.